Bonsoir à tous. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette 12e et dernière table ronde de la journée, pour cette première journée des 24 heures sur le climat. Et donc cette table ronde va être consacrée à la question de la sensibilisation et de l'éducation des Françaises et des Français aux enjeux climat. Je vous rappelle la possibilité de noter vos commentaires et vos questions sur le live stream là, qui se trouve à droite de votre écran. Et avant de présenter les différents intervenants de la table ronde, nous allons regarder ensemble une intervention vidéo du ministre de l'Éducation nationale, monsieur Jean-Michel Blanquer. Bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être présent à votre colloque sur le climat organisé par le député Anthony Cellier, que je salue, mais je tenais par cette vidéo à participer quand même avec vous à ce rendez-vous important. Car le sujet est évidemment capital. La protection de notre planète est le grand défi de notre siècle, chacun le sait, et le réchauffement climatique s'accélère. On l'a encore vu cet été, avec des conséquences qui parfois peuvent être irréversibles. Notamment pour la biodiversité et pour le fonctionnement de nos sociétés. Pour réagir, il y a bien sûr l'action décisive des gouvernements dans le monde. Et en la matière, il faut rappeler l'effort exceptionnel que représente le plan de relance, puisque de nombreuses initiatives qui suivront le plan de relance concernent l'environnement. Par exemple, pour nos écoles, nos collèges, nos lycées, qui constituent près d'un tiers des bâtiments publics, eh bien, ils pourront bénéficier, pour certains, d'un programme massif de rénovation pour diminuer leur consommation énergétique et aussi tout simplement pour améliorer la vie de nos élèves et de nos professeurs. Au-delà de cette action, la lutte contre le réchauffement climatique doit être l'affaire de chacun. Le changement n'est possible qu'avec une prise de conscience de tous pour faire évoluer en profondeur nos habitudes, nos comportements. C'est pourquoi l'éducation aux enjeux climatiques à l'école est totalement indispensable. Nos élèves sont les citoyens de demain et dès maintenant, ils peuvent être acteurs du changement. Dès mon arrivée, j'ai souhaité mettre l'éducation au développement durable au cœur de notre école. Et grâce aux résultats de la consultation qui a été menée auprès des élus de la vie lycéenne, nous avons défini 8 mesures concrètes qui sont mises en œuvre depuis septembre 2019 dans toutes les écoles et dans tous les établissements en faveur du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi celles-ci, il y a l'élection d'éco-délégués qui constitue une grande avancée parce que ça veut dire que nous avons potentiellement 250 000 éco-délégués. Véritables ambassadeurs des enjeux climatiques dans leur collège, dans leur lycée, puisqu'il y a au moins un éco-délégué par classe. Et en cette année 2020-2021, nous allons accélérer la cadence pour que ce soit une réalité pour toutes les classes de tous les collèges et de tous les lycées de France. Ils ont, ces éco-délégués, la capacité de mettre en œuvre ou de proposer à leurs professeurs ou à leurs chefs d'établissement des actions ultra concrètes pour protéger l'environnement, pour réduire l'impact carbone de leur établissement, mais aussi pour des éléments qui relèvent de l'entretien de la biodiversité autour de l'école ou de l'établissement, pour organiser le tri des déchets, pour le covoiturage, pour la simulation d'une COP21. Dans toutes les académies, on voit fleurir des initiatives de ce type. Pour ma part, je regarde beaucoup aussi tout ce qui a trait à la biodiversité, par exemple les potagers dans les établissements, les hôtels à insectes, toute une série d'initiatives qui sont de bonnes initiatives. On voit aussi de plus en plus de ruches d'établissements et tout simplement des plantations d'arbres, de végétaux, de fleurs, autant de choses qui peuvent être des petits gestes du quotidien, souvent des gestes collectifs, mais qui donnent le la de notre lutte pour l'environnement. Nous savons que chaque geste, chaque engagement compte pour préparer le monde de demain. Et il n'y a pas de petits gestes. C'est pourquoi j'ai dit que nous étions un peuple de colibris pour parler de l'éducation nationale. Parce que lorsqu'on met en mouvement l'ensemble de nos éco-délégués, et je vous disais que ça signifie dans quelques semaines 250 000 éco-délégués élus par leurs camarades dans tous les établissements de France, eh bien, si nous mettons en mouvement tout cela, c'est quantitativement très significatif, puisqu'il y a 60 000 implantations scolaires en France. À l'issue de l'agenda 2030, nous aurons donc permis à 2 500 000 élèves de s'investir avec leur classe pour la transition écologique. Cette rentrée 2020 marque aussi l'introduction de l'éducation au développement durable dans tous les programmes scolaires. Cela crée pour les élèves un véritable parcours de formation autour de ces enjeux, de l'école maternelle jusqu'au lycée. Pour piloter cette éducation au développement durable, des personnels référents ont également été désignés dans les établissements. Leur travail est coordonné par une mission dans chaque académie et au niveau national. Ils disposent d'outils de formation et de référentiels pour les accompagner. La sensibilisation au développement durable passe enfin par davantage d'immersion des élèves dans la nature. C'est pourquoi nous avons lancé cet été les écoles ouvertes buissonnières. Elles ont permis à plus de 8 000 élèves de partir avec leurs professeurs
à la campagne, à la mer, à la montagne, à la découverte de leur patrimoine naturel de proximité. Dans le contexte de crise sanitaire, et bien entendu au-delà, nous encourageons et nous encouragerons les professeurs à faire école en plein air. C'est une manière d'apprendre qui a montré toutes ses vertus. L'éducation au développement durable participe ainsi au bien-être, un bien-être qui est un bien-être à l'école, mais aussi en dehors de l'école, en étant indissociable de la construction de la citoyenneté de chaque élève. Cette éducation au développement durable est un vecteur puissant d'engagement pour notre jeunesse, et c'est pourquoi le rôle de l'éducation nationale est de donner à chacun des clés pour agir. Je le disais, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu national, c'est aussi un enjeu local. Il relève de chacun d'entre nous, ça commence en famille et à l'école, et chacun peut être acteur, et nous nous sommes mis en situation à l'éducation nationale de rendre chacun acteur. Donc félicitations pour ce colloque, ça participe de cette dynamique. Et je vous remercie en vous disant à bientôt. Voilà, notre ministre de l'Éducation a posé le cadre, en fait, et il a souligné que l'enjeu du climat et de la biodiversité étaient les enjeux de ce siècle. Et c'est vrai qu'alors que se multiplient les alarmes sur le front du climat, de la biodiversité, on a observé au cours de ces dernières années de nombreuses voix s'élever pour alerter sur non pas seulement le dérèglement climatique, mais un dérèglement éducatif. Et pour souligner le fait que notre appareil éducatif doit faire sa mue et aller beaucoup plus loin dans l'intégration des enjeux climat et biodiversité au cœur de l'ensemble des programmes. Un exemple qui concerne l'enseignement supérieur, qui a été un moment fort, je pense, de ces transformations, c'est 2018, où des étudiants lançaient le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a réuni quelques 32 000 étudiants dans plus de 400 établissements du supérieur. Alors depuis, les choses ont-elles évolué un peu, beaucoup? Quelles sont les transformations en cours, à la fois dans l'école primaire, secondaire et l'éducation supérieure? Sur quels outils s'appuyer pour sensibiliser au-delà de l'école, dans l'entreprise et auprès de nos concitoyens? Telles sont les questions que nous allons aborder durant cette heure de table ronde. Alors, pour creuser ces questions, on a le plaisir d'accueillir plusieurs acteurs. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'échanger avec Madame Descamps, qui est députée du Nord et qui siège notamment au sein de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Du côté des étudiants, nous aurons le plaisir d'échanger avec Pia Benguigui, qui est présidente du REFED, le réseau français étudiant pour le développement durable, qui est une association qui fédère et qui met en réseau au niveau national l'ensemble des associations consacrées aux problématiques environnementales et développement durable dans l'enseignement supérieur. On aura aussi l'intervention de Théo Miloche, qui est porte-parole du mouvement pour un réveil écologique et qui a été à l'initiative de ce manifeste dont je parlais en introduction. Enfin, nous aurons du côté universitaire le plaisir d'échanger avec Jean-Marc Augier, président de l'Université de La Rochelle, et avec Cédric Riggenbach. Cédric Riggenbach, qui est fondateur et président de la Fresque du Climat, et qui est aussi l'ancien dirigeant du Shift Project, qui est un think tank sur la décarbonisation de notre économie. Alors, pour structurer les échanges, on a prévu de structurer autour de deux temps. Le premier temps, c'est de revenir sur ce vent nouveau là, qui souffle sur l'enseignement et la sensibilisation au climat, et d'abord évoquer les transformations en cours autour de ces dernières années. J'évoquais tout à l'heure le manifeste pour un réveil écologique qui a été lancé en septembre 2018 et signé par donc plus de 30 000 étudiants. Et donc, j'aimerais commencer peut-être par passer la parole à Théo Miloche pour qu'il nous explique à la fois comment ce mouvement a porté en fait et a généré des changements, quels changements et comment avez-vous fait pour mobiliser l'enseignement supérieur sur ces questions. Eh ben, merci beaucoup de me donner la parole et puis pour cette invitation au C24 heures du climat. Donc, je pense effectivement, pour bien comprendre les dynamiques qui se passent au niveau de l'enseignement supérieur, c'est intéressant de revenir à cette fameuse rentrée 2018 qu'on évoquait, juste après la démission de Nicolas Hulot, où le mouvement climat prend de l'ampleur. Mais la place des jeunes, la voix des jeunes est encore assez inaudible et Greta Thunberg, à cette époque-là, est encore une illustre inconnue. Et on a à ce moment-là une poignée de jeunes, d'étudiants de grandes écoles,
qui lance le fameux manifeste pour un réveil écologique. Et donc, rapidement, effectivement, il se diffuse et on arrive à plus de 30 000 signataires issus de 400 établissements. Et on se met à se parler, en fait, entre différentes écoles, donc des écoles de commerce, des Sciences Po, des universitaires, des écoles d'ingénieurs. Et on partage tous le même constat, c'est qu'on n'est pas formé aux enjeux de transition écologique. L'enseignement supérieur, finalement, se retrouve défaillant sur la formation de ses étudiants à un des enjeux majeurs de notre siècle. Donc, il y a un rapport du Chief Project qui paraît et qui vient montrer que notre sentiment est fondé, puisqu'il n'y a que 11% des formations qui abordent de manière obligatoire les enjeux énergie-climat. Donc, pour nous, c'est un double problème, parce que déjà, on est conscient que notre modèle économique doit évoluer, que les entreprises doivent se transformer radicalement pour espérer tenir la trajectoire des accords de Paris. Comment est-ce qu'on peut penser ça quand même les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas étudié les questions auxquelles ils vont être confrontés en fait, une fois trouvé leur premier emploi? Le deuxième sujet, et Monsieur le ministre Blanquer l'a évoqué, c'est que les écoles, elles forment pas seulement des futurs professionnels, mais également des citoyens. Et à l'heure des fake news permanentes, du négationnisme climatique qu'on entend encore parfois sur certains grands médias, etc., on a besoin d'une source d'information fiable, rigoureuse, et puis collectivement de savoir qu'on peut se reposer dessus quand on se lance dans des débats démocratiques et qu'on veut parler de crise climatique, d'effondrement de la biodiversité, d'épuisement des ressources. Et c'est au monde de l'enseignement supérieur de remplir ce rôle. À partir de là, nous, côté étudiants, on formule une ambition. C'est celle que 100% des étudiants soient informés des enjeux de transition écologique et formés pour y répondre. L'information, d'un côté, elle renvoie à l'idée qu'on a cette dimension citoyenne, en fait, l'idée qu'on a besoin d'un socle commun de connaissances qui soit partagé par tous, basé sur la science, comme on apprend les fondements de la physique ou de la SVT à l'école, finalement. Et de l'autre côté, pardon, il y a cette idée de la formation qui est professionnelle, où on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas seulement une question de faire plus de métiers verts, mais que tout, au contact de la crise écologique, en fait, tous les secteurs, tous les métiers sont concernés pour et doivent se transformer, se réinventer. C'est des sujets parfois complexes pour lesquels on a besoin de compétences techniques dures. Et si on veut en fait impulser les transformations d'un système économique, il faut que ces enseignements spécialisés soient déployés en fait dans l'enseignement supérieur. Alors, côté étudiants, on s'est organisé, on a créé des groupes dans les écoles qui interpellent les directions d'établissement, qui vont mobiliser les professeurs, qui mobilisent aussi encore plus d'étudiants. Et on se rend aussi dans les écoles pour donner des conférences, faire de la sensibilisation. Et au niveau national, en fait, on a multiplié les rendez-vous pour faire passer notre message auprès des institutions comme la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, la commission des titres d'ingénieurs et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on a même organisé, par exemple, un grand débat avec la ministre Frédérique Vidal qui a un petit peu découvert le sujet face à 200 étudiants qui étaient très, très, très déterminés sur ce point-là. Et donc, la question monte, elle prend de l'ampleur au fil des mois. En 2019, à l'été 2019, il y a le Chief Project qui lance un appel pour former tous les étudiants du supérieur aux enjeux climatiques et écologiques. Il dépasse les 7 000 signatures et notamment, il est pris par 80 dirigeants d'établissements qui en valident le contenu. Et c'est alors qu'à la rentrée 2019, il y a la fameuse proposition de loi Bateau, Orphelin, Villani qui est déposée. Elle demande que les établissements d'enseignement supérieur intègrent systématiquement les enjeux de transition écologique dans les formations. Le manifeste qu'on a porté se retrouve et cité dans l'exposé des motifs. Donc là, c'est une grande satisfaction parce qu'on réalise qu'en un an, on a participé à faire émerger un sujet qui se retrouve sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc on envoie des mails à plein de députés pour qu'ils la soutiennent. On en a plus de 80 qui la signent dans une initiative transpartisane. Mais rapidement, on déchante un petit peu parce que pour des questions politiques, pour ménager certains cercles dans l'enseignement supérieur qui étaient opposés, cette proposition de loi tombe un petit peu dans l'oubli alors qu'on attendait un signal institutionnel de cette puissance pour continuer à porter le mouvement qui avait été créé. Et le momentum continue tout de même au point que la ministre Frédérique Vidal lance début 2020 un groupe de travail sous la présidence du climatologue Jean Jouzel pour faire des recommandations sur le sujet de l'intégration des enjeux de transition dans le supérieur avec des représentants d'étudiants qui siègent notamment. Et je vais laisser Pierre, la présidente du REFET, en parler plus amplement. Et je pense qu'on a là un panorama, en tout cas, assez complet de ce qui s'est passé les 2 dernières années sur la mobilisation autour de ces questions dans le supérieur. Alors, avant de passer la parole à Pia, j'aurais voulu passer la parole à Jean-Marc Augier. Donc,
Monsieur Augier, Théo nous a indiqué comment le mouvement avait interpellé l'ensemble de l'enseignement supérieur. Moi, je me souviens d'ailleurs personnellement de cette réunion avec Madame Vidal, puisque cette réunion s'était tenue à l'ESCP, si ma mémoire est bonne. J'imagine que vous avez, en tant que président d'université, été aussi confronté à la montée de ces questions, de ces enjeux. Comment est-ce que vous avez fait pour traiter ces enjeux-là et faire collaborer l'ensemble des acteurs, étudiants, professeurs, administrations autour de ces questions? Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre invitation. Effectivement, au niveau des établissements universitaires, nous avons senti monter et foisonner ces initiatives et cette pression de la jeunesse pour ces enjeux vertueux, évidemment. Et donc tout l'enjeu était pour nous, à la fois au niveau national et au niveau local, hein, au niveau national entre les établissements d'université, entre les universités et au niveau local au sein même des universités, de trouver des modalités pour mettre en œuvre des actions transversales qui réunissent tout le monde. Alors, effectivement, donc, à la base de tout ça, on a le rapport de Shift Project, on a le manifeste qui vient d'être évoqué par Théo, on a le REFET qui met la pression aussi sur un certain nombre de ces thèmes. Et donc, il s'agissait de trouver des modalités pour canaliser toutes ces énergies très vertueuses. Alors, pour y répondre au niveau national, différents dispositifs ont été imaginés de concert avec la ministre, puisque vous savez que la CPU, la Conférence des présidents, travaille de manière étroite avec la conférence des présidents d'université. La première chose que l'on peut dire, c'est effectivement ce qu'évoquait Théophile Hoche tout à l'heure, c'est le fameux rapport Messri piloté par Jean Jousselle, le climatologue, dont le but est de réfléchir collectivement à l'introduction systémique et systématique de la sensibilisation à la transition écologique pour tous les étudiants français. Et donc, pour atteindre cet objectif, il faut évidemment réunir tous les acteurs concernés, identifier les verrous, les leviers, et pour ce faire, il faut bien sûr réunir autour de la table tous les acteurs, à la fois ceux qui viennent du secondaire, parce que les étudiants sont formés dans le secondaire, ceux du supérieur, pour parler des verrous, des difficultés liées à la liberté académique, tout un ensemble de sujets dont on parlera sans doute tout à l'heure. Au niveau national également, on peut également citer le comité transition écologique et énergétique de la CPU, que j'ai le plaisir de coprésider avec ma collègue présidente de Paris 8, Annick Allègre, qui est un espace qui se réunit mensuellement et qui a encore réuni tous les acteurs qui gravitent autour de ces questions, acteurs de l'enseignement supérieur qui peuvent être à la fois du milieu institutionnel, de la gouvernance des établissements, de la gestion du patrimoine des établissements, du milieu étudiant, du milieu enseignant, du milieu de la recherche. Et tous les mois, nous avons des espaces d'échange qui contribuent à réunir, fédérer toutes les initiatives et à se parler les uns aux autres et à appuyer les bonnes initiatives collectives que les uns et les autres peuvent prendre. Ça, c'était pour le niveau national. Ensuite, au niveau local, on peut évidemment, moi j'observe dans mon université à La Rochelle un foisonnement d'initiatives d'associations étudiantes hein, qui sont militantes à l'image de ce qu'évoquait Théo tout à l'heure. Et donc, bon, chaque président accorde plus ou moins d'importance à son milieu associatif, mais en tout cas pour ma part, c'est extrêmement fort parce que derrière, il y a toute la question de l'engagement. Et donc, à La Rochelle, cet engagement étudiant fait véritablement partie du projet interne. Intégrant, fait partie intégrante du projet de réforme pédagogique que j'ai introduit, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et l'idée générale que nous développons, c'est en appui sur une réforme profonde en pédagogie que j'évoquerai tout à l'heure, de prendre appui sur ces associations étudiantes pour mettre en situation les étudiants de résolution de problèmes, un peu à l'instar de ce qu'évoquait le ministre tout à l'heure, hein, Jean-Michel Blanquer, de les mettre en situation pour, dans des logiques transdisciplinaires, pour résoudre des problèmes qui viennent de la société et qui sont souvent émanants d'ONG, d'associations, etc. Donc, à l'échelle d'une université, les présidents donc essaient de travailler avec ces milieux associatifs dans cette logique-là, et aussi se font les intermédiateurs, c'est-à-dire qu'ils mettent en relation les associations qui partagent une vision sur ces enjeux. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Après, sur les offres de formation sur les 5 dernières années, ce qu'on peut peut-être partager aussi, c'est que on observe de plus en plus d'équipes de direction d'université qui ont pris conscience de ces enjeux et qui tentent à leur mesure, parce qu'il y a une grande complexité juridique avec la liberté académique des enseignants-chercheurs, de trouver une manière de lever les verrous auxquels nous sommes confrontés pour justement introduire à toutes les échelles, dans toutes les disciplines, ces enjeux liés à la transition écologique.
Par ailleurs, au niveau national encore, on peut aussi, sur la formation, évoquer un foisonnement de ressources partagées, dans des logiques mutualisées et qui ont bien servi, pendant la crise Covid. On peut évoquer par exemple le portail FunMOOC, France Université Numérique, MOOC, comme tout le monde connaît l'acronyme, je ne décline pas, ou l'Université Virtuelle en Environnement et Développement Durable, qui sont des portails numériques qui regorgent de ressources numériques et qui sont, des vecteurs de sensibilisation à toutes ces questions. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci, merci beaucoup. Vous évoquiez à l'instant le rapport Maestri, enfin le rapport, le groupe de travail sous l'égide de Jean Jouzel sur l'intégration des enjeux climat dans l'enseignement supérieur. Pia Benguigui, je pense que ça, vous allez nous le confirmer, mais ça a été un élément important de votre action. Alors, je ne crois pas que le rapport soit public aujourd'hui, donc je ne vais pas vous demander de nous faire la primeur, de nous donner les grands résultats et les grandes orientations, même si vous pouvez quand même y faire référence, si vous le souhaitez. Mais ce qui serait bien, ce serait que vous nous expliquiez quels étaient vos objectifs, vous, en tant qu'organisation qui représente la voix étudiante sur ces sujets, et puis sur quel point vous avez l'impression qu'il y a eu des avancées par rapport à l'état des lieux initial. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Du côté du REFED, l'enjeu clé dans ce groupe de travail, qui rejoint d'ailleurs nos revendications, qui rejoint aussi celle de Pour un réveil écologique, c'est celui de la formation de tous les étudiants aux enjeux environnementaux, à la fois via la formation initiale, donc c'est-à-dire un peu ce dont parlait Théo tout à l'heure, que tous les étudiants aient un socle commun de connaissances scientifiques sur qu'est-ce que le réchauffement climatique, qu'est-ce que la crise de la biodiversité, mais également une intégration de ces enjeux environnementaux dans toutes les filières du supérieur, c'est-à-dire que chaque cursus intègre cette dimension pour qu'ensuite, dans les métiers, on retrouve cette prise en compte des enjeux environnementaux et des limites planétaires chez les étudiants qui deviendront, qui auront ensuite un métier. Sur les avancées importantes qu'on a vues dans ce groupe de travail, la première chose côté REFED à noter, c'est le dialogue qu'on a pu avoir avec toutes les autres parties prenantes, particulièrement avec la conférence des présidents d'université et la conférence des grandes écoles. Globalement, les discussions étaient très constructives et on était vraiment contents d'arriver à ces points d'accord avec des objectifs communs qui, à la fin, ont été très ambitieux. Donc, on s'est tous et toutes mis d'accord là-dessus. Et aussi, peut-être que là, ça dépasse un peu le groupe de travail, mais une des grandes avancées, ça a été l'implication des organisations de jeunesse qui étaient traditionnellement pas forcément tournées vers ces questions, donc des organisations plus généralistes, plus traditionnelles, comme la FAGE et l'UNEF, qui ont fait partie du groupe de travail et qui ont été des parties prenantes là-dessus. Et on peut aussi citer Animafac ou le Forum français de la jeunesse, qui sont saisis de ces enjeux, notamment via l'organisation d'une journée de cours dédiée aux enjeux environnementaux en décembre dernier, en soutien de la proposition de loi. Et ça avait été appelé la journée Make Our Lessons Green Again, où donc on a vu que ce sujet prenait de l'ampleur dans le sens où ça ne restait pas cantonné seulement à la sphère écolo, mais que ça prenait un peu plus d'ampleur. Sur le groupe de travail plus précisément, donc on a remis une note intermédiaire à la ministre début juillet et elle devrait être rendue publique bientôt, même si on n'a pas encore de nouvelles sur la publicité de cette note et sur la reprise des travaux qui sont aussi prévus bientôt. La première chose importante côté REFED, ça a été l'implication d'organisations étudiantes dans le groupe de travail, qui était une de nos revendications et qu'on a obtenue, puisque on a été quatre organisations étudiantes à être dedans, pas seulement une. Donc on était très contents de pouvoir avoir notre voix qui a été entendue. Ensuite, une des grandes avancées, ça a été l'approche par compétences qui a été choisie et sur laquelle toutes les parties prenantes du groupe de travail s'est retrouvée par rapport à l'intégration des enjeux, comment on fait pour que ça se matérialise. On a choisi plutôt une approche par compétences. Et également, on a été contents du fait qu'on a pu faire beaucoup d'avancées et on a pu avoir des propositions très ambitieuses tout en respectant le principe de la liberté pédagogique qui est centrale dans l'enseignement supérieur et donc qu'on a dû prendre en compte tout au long de nos réflexions. Et malgré ça, qu'on peut peut-être appeler un frein, mais qui en vérité n'en a pas vraiment été un, parce qu'on a quand même réussi à avoir des propositions ambitieuses pour intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans les formations. Et sur la note en particulier, peut-être un point, sans bien sûr dévoiler toute la note, un point qui témoigne un peu de l'ambition de ce rapport, c'est peut-être celui d'intégrer la formation à la transition écologique dans les arrêtés de tous les diplômes du supérieur, également dans les référentiels d'accréditation des universités et des écoles. Donc c'est une manière pour nous et pour le groupe de travail dans son ensemble d'être certain que les enjeux environnementaux soient bien intégrés, les formations devront être jugées par rapport à ça, et que normalement, dans les 5 ans, on devrait, si nos recommandations sont suivies, avoir une intégration effective de ça.
Voilà, donc globalement, ce groupe de travail pour nous a été extrêmement positif avec toutes les discussions constructives qu'on avait eues, qu'on a pu avoir et ces recommandations qui sont finalement très ambitieuses. Après, maintenant, on a réussi à avoir ça sur le papier seulement, bien sûr, on a réussi à tous se mettre d'accord, mais ça reste que de la théorie. Donc ce qu'on attend, c'est une mise en pratique de ça, que le ministère et particulièrement la ministre Frédérique Vital prennent en compte ces recommandations et les mettent en œuvre parce que sinon, on aura un peu travaillé pour rien. Et voilà, et peut-être un dernier point pour dire que toutes les recommandations qu'on a faites, qui devraient bientôt, en tout cas on l'espère, être rendues publiques, elles doivent être entendues comme un tout. C'est-à-dire qu'on a essayé de penser à quelque chose de cohérent qui fonctionne comme un ensemble. Et donc pour que ça fonctionne effectivement, il faudra prendre toutes les recommandations dans leur ensemble et pas seulement en sélectionner une par-ci par-là. Merci beaucoup. Donc, je pense que le message est passé à la fois sur l'importance de ce rapport et puis on s'interrogera aussi ensemble sur les suites en fait et les conséquences que ça aura. On a beaucoup discuté déjà de la problématique de la liberté académique qui pourrait constituer un frein notamment à la diffusion de ces démarches dans l'enseignement supérieur. On y reviendra dans une deuxième partie du débat. Pour le moment, on a beaucoup parlé de formation supérieure. Il y a aussi, évidemment, il y a aussi la question de la formation initiale. Vous avez évoqué l'importance d'un socle commun sur ces questions-là. Et du coup, j'aimerais passer la parole à Madame Béatrice Descamps, pour savoir en fait quelles ont été les transformations qu'on a observées au cours de ces dernières années dans le primaire et dans le secondaire, sachant que en plus de vos activités de député, votre participation à la commission des affaires culturelles et sociales, vous avez aussi exercé en tant que directrice d'école. Et donc, je pense que vous avez aussi une expérience de terrain sur ces sujets-là qui me semble tout à fait intéressante. Je crois qu'il faut que vous allumiez votre micro, Madame Descamps. Je vous prie de m'excuser. Donc, je voudrais effectivement commencer par vous remercier de consacrer un temps de cette table ronde à l'école, vous venez de le dire, à l'école primaire, maternelle, élémentaire, collège, lycée. Et d'ailleurs, vous ne vous êtes pas trompé puisque vous avez invité Monsieur Blanquer, un ministre de l'Éducation nationale, à ouvrir cette table ronde. Alors, vous parlez d'évolution, je vais vous répondre oui. En effet, on peut effectivement parler d'évolution, évolution dans les textes qu'elles se réfèrent les enseignants, textes de l'éducation nationale, évolution dans les pratiques professionnelles, même si on pourra soulever le problème de la formation, bien évidemment, évolution dans les ressources, Monsieur Augier le signifiait tout à l'heure, c'est vrai aussi à notre niveau. Et je vais dire évolution dans le partenariat, parce que je pense qu'il doit forcément, en tout cas évidemment, et chaque fois que cela est possible, avoir un partenariat, des partenariats entre l'éducation nationale, mais tous ceux aussi qui peuvent aider justement l'éducation nationale a abordé ces sujets et j'en reparlerai tout à l'heure. Si tout se joue, me semble-t-il, tout ne se joue pas à ce niveau du maillon, le premier maillon, même si le rôle des parents est important, mais ce premier maillon est important. Il est essentiel, il faut permettre aux élèves d'aujourd'hui, qui sont des éco-citoyens de demain, d'entrer dans une démarche de développement durable dès leur plus jeune âge. Parce que pour comprendre les enjeux environnementaux, il faut comprendre cette démarche environnementale. Si depuis toujours, les élèves étaient amenés, hein, nous tous, à observer notre environnement proche à travers souvent des matières telles que les sciences, la géographie par exemple, aujourd'hui, on parle de l'EDD. Et l'EDD a trouvé toute sa place à l'école. Puisque vous parlez d'évolution, je vais très vite refaire un petit historique pour bien comprendre ce qui s'est passé. C'est seulement en 1977 qu'une circulaire a donné naissance à l'éducation à l'environnement. Pour avoir été enseignante, vous l'avez dit, de 1983 à 2017, où je suis devenue députée, je peux confirmer que l'évolution des textes et des pratiques ont été importantes et notoires, surtout à partir de 2004, au moment où apparaissent les termes d'éducation au développement durable, justement, et que la Charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle, souligne la nécessité de l'éducation et de l'environnement, la formation à l'environnement.
En 2013, la loi de refondation de l'école fait entrer cette éducation transversale dans le code de l'éducation. Et depuis la publication des 17 objectifs de développement durable, dont une éducation de qualité pour tous, par les Nations Unies en 2015, ces derniers font l'objet d'appropriations nationales sous la forme des agendas, des agendas 2030, dont parlait d'ailleurs Monsieur le ministre tout à l'heure. L'EDD doit donc désormais faire partie intégrante de la formation initiale des élèves et donc de celle des enseignants dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires et permettre d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité en prenant en compte les interactions existantes entre l'environnement, la société, l'économie, la culture. Tout cela peut et doit débuter, me semble-t-il, dès le cycle 1, cycle 1, cycle 2, où des nombreuses compétences sont acquises. Monsieur le ministre prenait quelques exemples tout à l'heure, par le jeu, par l'observation de l'environnement quotidien. En découvrant un site naturel, les enfants y acquièrent peu à peu des comportements responsables en respectant des lieux, en respectant la vie, en comprenant peu à peu, selon moi, l'impact de certains comportements sur l'environnement. Ces compétences sont travaillées grâce aux activités traditionnelles, entre guillemets, l'élevage, les plantations, les sorties pédagogiques, mais également par des outils et des ressources qui, elles, eux, ont aussi beaucoup évolué et sont de plus en plus nombreux mis à disposition des enseignants par l'Éducation nationale, l'Agence française du développement, Canopée. Je pourrais ici aussi citer tout simplement, hein, mais le simplement n'est pas péjoratif, loin de là, les affiches réalisées à partir des photos d'Arthus Bertrand. Même si souvent les enseignants redoublent d'imagination pour permettre en place des activités, ces outils sont précieux, tout comme la formation des enseignants. Permettre aux enfants d'entrer dans une démarche d'éducation au développement durable passe par le développement d'attitudes, de travail sur les valeurs, le développement, j'ai envie de dire, de l'intelligence du geste aussi, l'acquisition d'un esprit critique et une culture de l'engagement. Former les futurs citoyens se fait en cohérence avec le socle commun, nous en parlions tout à l'heure, le parcours citoyen qui permet d'aborder les grands champs de l'éducation à la citoyenneté. Si les moments ponctuels sont souvent forts et même médiatisés, je pense à la semaine de la science, semaine du climat, l'éducation au développement durable est aussi et surtout une éducation transversale qui intègre les enjeux du développement durable dans les nouveaux programmes d'enseignement de l'école primaire et aux programmes d'enseignement disciplinaire du collège et du lycée général, technologique et professionnel. Dès le cycle 3, les questions de changement climatique sont désormais inscrites dans les programmes des sciences, de techno, de sciences et vie de la Terre, et M. Blanquer rappelait aussi les avancées pour cette même rentrée, dernière rentrée 2020. L'EDD croise aussi explicitement les autres éducations transversales, donc, dont l'éducation au développement, à la solidarité nationale, l'éducation à la santé, les enseignements artistiques et culturels. Enfin, le parcours citoyen et le parcours santé sont particulièrement favorables à la prise en compte des enjeux de développement durable. Pourquoi dire tout ça? Pour montrer qu'il y a tout un contexte qui permet effectivement de sensibiliser les enfants et de les faire progresser dans leur perception du monde qui les entoure et aussi dans cet esprit qui doit être le leur pour bien percevoir ce monde justement. Au collège, de nombreux projets interdisciplinaires intègrent la dimension environnementale. Exemple, comment refaire notre cour et y installer des êtres vivants. Depuis 2019, chaque classe, monsieur le ministre en a parlé, donc je ne vais pas développer ça, du rôle du délégué citoyen élu, qui, monsieur le ministre l'a dit, et il a raison, qui a un rôle important. On peut aussi parler des établissements qui peuvent acquérir le label E3D. Au lycée, on pourrait aussi parler de la mobilisation du 15 mars, comme l'a fait tout à l'heure le ministre. En ce qui concerne la formation professionnelle, le ministère s'est engagé à développer des formations relatives aux problématiques. Toutefois,
Alors, je ne dis pas que… Je pense que s'il y a une chose à améliorer aujourd'hui, plus que le reste, c'est peut-être justement cette formation. Parce qu'appréhender ces sujets n'est pas facile, surtout que c'est toujours souvent de façon pluridisciplinaire. Et donc, je pense que l'accent pourrait être mis sur ce sujet de la formation des enseignants. Le DD, pour moi, c'est aussi l'affaire de tous. Et c'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure de partenariat. Et en la matière, ils sont encouragés et ils se sont beaucoup développés. Beaucoup d'actions se mettent en place dans les établissements grâce aux communes ou avec, j'aime pas le mot, grâce, avec les communes, parce que c'est ensemble qu'il faut travailler, les conseils départementaux pour les collèges, par exemple sous forme de concours, pourquoi pas, hein, mis en place, proposé aux établissements, les conseils régionaux, les comités d'agglo, les conseils d'agglo. Et si je vais terminer là-dessus, là aussi, je pense qu'il y aurait peut-être une amélioration à avoir si on pouvait, à l'échelle d'un territoire, se mettre tous ensemble. Et je pense au rôle des universités aussi par rapport à ces établissements dont je vous parle. Parce que je pense que vraiment, il y a un lien important. Je crois que tout à l'heure, ça a été abordé sur les interventions. Et je pense que vraiment, ce serait un plus pour tous nos jeunes et pour avancer et pour leur ouvrir ce monde qu'ils soient à même de percevoir le mieux possible, sur lequel ils pourraient agir le mieux possible. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup. On voit, pour le moment, on a beaucoup discuté de nos institutions d'enseignement et en fait, on voit qu'à la fois l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire et secondaire se transforment, mais qu'il y a un temps de transformation pour mener ces transformations à bout bien. Il y a un temps politique, il y a un temps de la négociation, comme l'ont développé Pia, Théo. Il y a un temps aussi qui est propre à chaque institution, comme l'a développé Jean-Marc Augier. Et en fait, j'aimerais passer la parole à Cédric Riegenbach, puisque en fait, vous êtes le concepteur d'un atelier de sensibilisation et de compréhension des enjeux climatiques qui est en fait un outil de sensibilisation massive, qui est d'ailleurs très utilisé dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur pour ramener la complexité des phénomènes du climat de manière assez massive, mais relativement simple, pour exposer un grand nombre d'individus à la problématique du climat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la démarche et ce qu'elle permet de faire? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir à tous pour commencer. Merci pour l'invitation. Je voudrais dire deux mots sur la fresque du climat pour l'expliquer. C'est un outil pédagogique qui permet, en 3 heures de temps, de très bien comprendre ce qui se passe sur les histoires de climat. Concrètement, c'est 42 cartes qu'il faut remettre dans l'ordre des causes et des effets. Les cartes ont du texte au dos et on lit les cartes en équipe de 5-6 personnes autour d'une table. On lit les cartes, on les pose ensemble sur la carte, on réfléchit à plusieurs, c'est basé sur l'intelligence collective. Et en 3 heures de temps, on a bien compris ce qui se passe sur le climat. Après ça, on a une phase un peu créative et puis on a surtout un moment de débriefing et de débat pour expliquer, pour trouver ensemble des solutions au niveau de la transition énergétique. Donc c'est quelque chose qui marche, qui est utilisé dans beaucoup de contextes différents. On l'utilise dans l'enseignement supérieur, dans le primaire et le secondaire également. Il y a une version spéciale pour les enfants d'ailleurs, hein, une version simplifiée. Et ensuite, on l'utilise aussi au niveau des entreprises ou des citoyens. Et il y a aujourd'hui énormément d'entreprises qui utilisent le jeu. Il y a même des entreprises qui ont décidé de faire jouer l'ensemble de leur personnel. C'est le cas chez Suez et chez EDF. Et donc, le but est de toucher un maximum de monde parmi nos concitoyens. Alors, pourquoi un outil comme celui-là? Bien, je pense que moi, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le lobbying d'intérêt général à la direction du Shift Project. Et donc, moi aussi, j'ai fait des propositions politiques avec des groupes de travail en réunissant des experts sur différents sujets. Au niveau du Shift, on a également proposer des rapports qu'on a amenés dans les ministères. Et je ne voudrais pas décevoir Théo et Pia, mais le rapport que vous avez fait, et bravo pour ce que vous avez fait, il a malheureusement plus de chances de finir dans un tiroir qu'autre chose. C'est malheureusement ça qui se passe aujourd'hui. La raison pour laquelle je me concentre aujourd'hui sur la sensibilisation des citoyens,
c'est que c'est pas les politiques qu'il faut toucher en direct, c'est les citoyens qui ensuite éliront les politiques qu'ils méritent. Les politiques aujourd'hui, ils suivent l'air du temps, ils écoutent les lobbies et les citoyens. Heureusement, ils écoutent aussi les citoyens. Mais les lobbies, quand je dis lobby, c'est quelque chose de positif. Hein. Le Shift Project est un lobby d'intérêt général. Donc les lobbies sont, réunissent des gens qui connaissent bien les sujets et c'est très utile. Mais ils peuvent aussi porter des intérêts particuliers. C'est important aussi de former prioritairement nos concitoyens et de manière massive. Et la fresque est là pour ça. On a une vitesse de déploiement qui est très très rapide. On a déjà touché 60 000 personnes. On vise le million, 70 000 personnes, pardon. On vise le million de personnes qui auront joué dans le courant de l'année prochaine. On est en train de faire jouer en ce moment. On espère faire jouer au niveau de l'enseignement supérieur entre 60 et 100 000 étudiants là entre maintenant et la fin de l'année. Donc on a mobilisé pour ça des milliers d'animateurs et le projet du coup progresse très vite. Moi, la raison pour laquelle je suis convaincu qu'il faut faire ce travail de sensibilisation, c'est que personnellement, je travaille depuis 10 ans sur les questions de changement climatique et j'ai rencontré dans ma vie des gens qui travaillent depuis encore plus longtemps là-dessus. En fait, on a une espèce de hiatus, il y a une espèce de biais, c'est que quand on connaît bien un sujet, quand on travaille sur le climat depuis longtemps, en fait, on ne se rend pas compte que le niveau de connaissance autour de nous, il est assez faible en fait. Il y a des choses qu'on connaît très bien, on les considère comme acquises et on n'imagine pas en fait que le commun des mortels est très très loin d'avoir le même niveau de connaissance. Donc ça, c'est connu, ça s'appelle l'effet de j'ai oublié, je vais me rater, mais c'est pas grave. C'est un phénomène psychologique qui est complètement maîtrisé. Et alors, à contrario, quand on ne connaît pas du tout un sujet, on a l'impression de le connaître. Donc, on peut avoir un dialogue de sourds entre deux personnes qui parlent du climat, un qui connaît bien et qui dit c'est important, l'autre qui ne connaît rien qui dit c'est important aussi, mais ils sont tous les deux d'accord. Mais en fait ils ne se rendent pas compte qu'il y en a un qui a bien compris, l'autre pas du tout. Avec la fresque, ça permet de sortir de cet isolement qu'on peut avoir les militants du climat et d'aller au contact des gens du grand public avec un outil qui marche très très bien et ce qui permet à des gens au bout de 3 heures de dire « Ah bah écoutez, je suis très content parce que je croyais connaître le sujet du climat et j'ai réalisé en fait que je ne connaissais pas si bien que ça et c'était très intéressant, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais et du coup, ils sont un peu choqués en général, hein, ils se prennent une belle claque dans la figure. Et voilà un peu le principe. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai écoulé le temps passé. Ce dont on a besoin aujourd'hui, nous, à la fresque du climat, c'est de pouvoir faire des partenariats solides avec les ministères, donc de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et probablement d'autres également, parce qu'on a d'autres sujets qui nous intéressent, pour pouvoir déployer encore plus rapidement. On va très vite, on s'est débrouillé par nous-mêmes jusqu'ici, mais c'est vrai qu'on pourrait aller encore plus vite avec un soutien politique. Et donc, la balle maintenant est dans le camp des ministères avec qui on essaye de discuter depuis, je crois, 9 mois et avec qui ça n'avance pas pour l'instant. Merci. Jean-Marc Augier, profite du coup de votre présence pour vous poser la question. Est-ce que vous avez utilisé la fresque à l'Université de La Rochelle? Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement est-ce que vous retrouvez dans le discours de Cédric Riegenbach? Et puis, bon, plus largement, au-delà de l'utilisation de la fresque pour diffuser la connaissance sur les enjeux climat, je sais que l'Université de La Rochelle est un acteur assez moteur sur ces questions. Vous avez initié des programmes de transformation assez significatifs. Donc, j'aimerais vous entendre pour que vous nous expliquiez en quoi ça consiste, en quoi est-ce qu'on peut parler de changement assez radical pour vous, et que vous reveniez un petit peu plus en profondeur sur les enjeux de cette transformation. Notamment, vous aviez évoqué tout à l'heure la question de la liberté des enseignants-chercheurs, la liberté académique. En quoi est-ce que cela pose problème sur ces sujets et comment est-ce qu'on peut avancer par rapport à ce frein potentiel? Merci beaucoup Aurélien. Oui, effectivement, je confirme, nous avons, à l'occasion de l'accueil de nos jeunes étudiants,
fait jouer les étudiants à la fresque du climat. Et je dois vous avouer que je faisais partie des personnes qui sont ignares globalement par rapport aux enjeux qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Rinkenbach. Et ça m'a fait beaucoup de bien de jouer également. Et j'ai l'intention de sensibiliser mes collègues présidents d'université. Pour en revenir à la recherche. C'est peut-être un point effectivement qui est important. C'est un très bon outil à la fois de formation des enseignants, ça je peux en témoigner, et aussi des boards de nos établissements. Je pense que c'est très important que les dirigeants aussi des systèmes d'éducation supérieure fassent la fresque pour qu'ils saisissent eux aussi l'ampleur des enjeux climat. C'est ça. Et donc, un des enjeux que je me suis, un des challenges que je me suis donné, c'est de former les collègues de la conférence des présidents d'université. Je pense qu'on aura beaucoup de surprises. Juste quelques mots pour dire que, comme le disait Pia et Théo tout à l'heure, former un jeune aujourd'hui, c'est évidemment lui transmettre des connaissances, en tout cas, faire en sorte qu'il reparte avec les connaissances dont il a besoin pour travailler, c'est développer ses compétences, mais c'est aussi surtout de créer, formater un citoyen du monde qui sera éco-responsable et qui, dans toutes les couches de ses activités professionnelles futures, aura cette sensibilité à ces enjeux planétaires qu'on est et climatiques dont on est en train de parler. Et donc, la problématique pour une université, c'est de regarder comment on peut revisiter les offres de formation pour aller dans cette direction. Alors, pour ce qui nous concerne à La Rochelle, en fait, depuis que je suis élu, on est en train de refaire une nouvelle université du sol au plafond, en refondant, en repensant tout, à la fois la formation, la recherche, l'écosystème dans lequel les étudiants étudient, les relations avec les territoires. Alors, ce que je peux essayer de dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est globalement les grands principes qu'on a retenus sont ceux du développement de la plasticité intellectuelle des étudiants en sortant des silos disciplinaires dans lesquels l'université était installée depuis des années. Et en fait, très concrètement, je suis en train de dissoudre les facultés disciplinaires historiques de l'université, ce qui est très, très compliqué sur le plan social. Hein. J'ai eu des mouvements à l'intérieur de mon université qui ont été compliqués à mettre en œuvre, qui ont été des freins à cette mise en œuvre. Et aujourd'hui, nos étudiants se retrouvent à La Rochelle depuis maintenant un an et demi avec une offre de formation décloisonnée qui combine des majeurs et des mineurs et qui contribue majeurs et mineurs qui peuvent être interdisciplinaires, orientés développement durable, et aussi des mineurs métiers qui contribuent au développement de cette plasticité intellectuelle et à la sensibilisation à tous ces enjeux. Et donc, un des vecteurs véritablement importants, c'est de créer de formater des cerveaux qui sont en capacité de traiter de problèmes complexes, tels que ceux des enjeux du climat, au travers de la formation qu'on leur donne, et en même temps avec une couche qui est liée à cette sensibilisation aux ODD qu'évoquait Madame la députée tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour la formation, donc une réforme profonde sous forme de majeur-mineur. Et puis, une question pour être sûr de comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que vos étudiants peuvent faire, par exemple, à la fois de la sociologie et puis travailler sur la biodiversité et les systèmes portuaires. Absolument. Un étudiant de droit aujourd'hui qui a une licence de droit peut combiner une majeure de droit et une mineure liée à l'environnement, aux sciences de la vie, en fonction de son choix. Voilà. Et de manière transversale, tous les étudiants ont une petite couche liée aux ODD qu'il nous faut intensifier dans la future offre de formation. Et chaque jour suffit sa peine. La première transformation que j'ai faite déjà était difficile. On verra ça pour la prochaine si les collègues décident de me réélire aux prochaines élections. Un autre point important, c'est de passer de la pensée à l'acte aussi et de mettre les étudiants en situation. Et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les associations étudiantes, de se mettre en relais avec elles pour faire en sorte qu'autour de problématiques sociétales, qui sont des enjeux liés aux ODD, on puisse réunir des collectifs d'étudiants, là encore dans des logiques interdisciplinaires, pour que chacun, avec son niveau de technicité, apporte des contributions à la résolution d'un problème complexe. Et donc là, on développe la responsabilité, l'éco-citoyenneté, et puis ce qu'on appelle les fameux soft skills ou les hard skills qui servent la formation d'un étudiant. Juste pour terminer, après, au niveau formation de plus haut niveau, hein, master et doctorat, là aussi, à La Rochelle, nous sommes dans une profonde refonte, puisque, en tant qu'université de petite taille, relativement jeune, pour continuer à exister dans la compétitivité mondiale à laquelle on est confronté aujourd'hui, il nous fallait faire des choix. Et donc, j'ai fait le choix avec mes équipes de travailler sur une spécialisation de l'université, dans sa globalité, sur un grand défi sociétal qui est celui du développement durable en zone côtière, qu'on a intitulé dans notre jargon à La Rochelle « littoral, urbain, durable, intelligent ». Et l'idée, c'est de réunir tout le potentiel intellectuel de l'université, d'à peu près 600 chercheurs et enseignants-chercheurs, autour de ce grand défi,
dans un mode très transdisciplinaire, décloisonné, faire en sorte que les gens des sciences politiques parlent aux gens qui travaillent sur l'aménagement du territoire, ou parlent aux gens qui sont spécialisés sur les sciences de la Terre et qui travaillent sur les problématiques de submersion, ou que ceux qui sont en biotechnologie travaillent avec ceux du génie civil pour construire de nouvelles digues naturelles à partir de process originaux, etc., etc. Donc l'idée, c'est de créer un écosystème intellectuel très, très décloisonné qui sort de silos historiques dans lesquels toutes les universités sont enferrées, et en fait de profiter de la petite taille de La Rochelle pour... Qui peut se permettre ça par rapport aux grosses machines intellectuelles que sont les grandes universités de rang mondial et qui, du fait de leur histoire, de leur inertie, ont plus de difficultés à engager ce genre de mouvement. Pour terminer, juste pour dire que ce mouvement que je viens de vous rappeler, avec une réforme de la formation au niveau licence et au niveau master et doctorat, on le décline au niveau européen aussi, puisque, vous le savez peut-être, une quarantaine d'universités européennes viennent d'être créées. Il n'y en aurait que 40 sur le long cours. J'ai l'honneur et la chance d'en présider l'une d'entre elles, qui s'appelle EU Connexus, comme Smart Urban Coastal Sustainability, qui travaille sur le littoral urbain durable intelligent. Et en fait, cette université européenne réunit des universités qui sont toutes localisées sur le littoral européen, et toutes ensemble, nous nous sommes mis d'accord dans une dimension européenne pour adresser cette question, suivant la même logique, avec plasticité intellectuelle, décloisonnement scientifique, transdisciplinarité et servir ce grand défi sociétal européen qui est celui de la protection des zones littorales, qui est un vrai enjeu, hein, puisque vous savez, bon, la France est le pays d'Europe où il y a le plus de zones littorales, et en Europe, il y a énormément de zones littorales, et dans le monde aussi, vous savez qu'en Indonésie, Jakarta prend l'eau, que la baie d'Along au Vietnam est polluée maintenant, il y a toutes les questions qui sont liées à l'usage des territoires, toute une problématique systémique et holistique qui est adressée sur ces questions. Voilà ce que je voulais dire sur l'offre de formation. Vous avez parlé de plasticité intellectuelle, d'esprit critique, de transdisciplinarité, de pédagogie par projet. Alors Théo, Pia, est-ce que vous avez l'impression que du coup on y est ? Est-ce que vous avez l'impression que ce type de transformation est à la fois à la hauteur des enjeux ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de se généraliser ? Et de votre côté, en fait, comment vous allez faire pour conserver la dynamique et, continuer à être une force de changement sur ces sujets. Effectivement, ce qui est certain, c'est que le sujet s'est vraiment installé en fait dans l'enseignement supérieur. On est à un stade où entre l'état qu'on a décrit en 2018 et la situation maintenant, c'est le jour et la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la mobilisation, malgré les avancées, elle continue et les attentes des étudiants sont très fortes. Nous, on l'a constaté il n'y a pas très longtemps avec une initiative qu'on a lancée qui s'appelle le grand baromètre de la transition écologique, qui est un questionnaire très complet qui vient questionner, interroger les pratiques des établissements sur différentes thématiques, avec par exemple la place des enjeux de transition dans les cours, les moyens accordés à la formation des professeurs, la mise en valeur des carrières professionnelles en lien avec la transition écologique, par exemple à travers des forums d'entreprise. Et on a une quarantaine d'établissements qui y ont déjà répondu, l'Université de La Rochelle en fait partie, et dont les réponses ont été publiées en ligne et on continue même à en recevoir encore aujourd'hui pendant la rentrée. Et ça, c'est grâce aux étudiants et à leur mobilisation et qui est contagieuse en fait au sein des administrations. Je vois à HEC où j'étais l'an dernier, on est quelques-uns à avoir soumis à la promotion l'idée d'adresser une demande formelle à l'administration pour répondre à ce questionnaire. Et en une après-midi, on avait 150 étudiants qui étaient prêts à signer avec nous cette demande formelle qu'on a déposée. Et maintenant, vous pouvez voir les réponses d'HEC justement qui sont en ligne aux côtés des autres. L'autre point est sur comment aller plus loin. Nous, là, on a beaucoup d'attentes parce que si ça arrive dans un timing particulier, c'est sur le fameux groupe de travail lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est rentré donc dans une phase de dialogue avec toutes les parties prenantes. Les étudiants se sont assis à la table et on va dire que les incompréhensions qu'il pouvait y avoir entre les pouvoirs publics, les directions d'établissement et les étudiants, elles ont été aplanies, on les a dépassées pour la plupart. Et il y a eu ce gros travail de concertation qu'il faut maintenant valoriser. Il faut que Madame Frédérique, la ministre Frédérique Vidal, se saisisse des recommandations qui lui ont été faites. Donc, je ne tiens pas à ce que ce rapport finisse dans un placard comme Monsieur Engenbar l'avait souligné tout à l'heure, d'autant qu'il contient dans une de ses recommandations, je fais un petit spoil,
L'idée de déployer la fresque du climat dans tous les établissements. Donc, effectivement, ce serait d'autant plus souhaitable que la ministre s'en saisisse. Et finalement, on est dans une situation où chaque rentrée scolaire, sans engagement fort de l'État sur ces questions-là, c'est une promotion d'étudiants en moins formés aux enjeux de transition. Et ce n'est pas une situation qu'on peut se permettre encore. Donc, c'est urgent d'avancer et de se saisir de ce rapport et de ses recommandations. Oui, et je rejoins totalement Théo sur ce qu'il a dit. Et peut-être pour compléter un peu ça et par rapport aux transformations en cours dans l'enseignement supérieur, c'est vrai qu'on remarque que c'est une dynamique qui est en train de se lancer ces dernières années, qu'il y a pas mal de choses qui se font déjà. Il y a des établissements ou des formations qui intègrent ces enjeux et qui commencent à le faire. Mais le problème, c'est qu'on pourrait peut-être parler de petits gestes par rapport à ça. Justement, c'est très bien qu'il y ait ces petits gestes, mais ce n'est pas systématique. Et tant qu'il n'y a pas une action forte du ministère qui pousse en ce sens, et c'est pour ça que notre note a été faite, c'est justement pour proposer ce cadre d'action et ces propositions assez systémiques. Tant qu'il n'y a pas ça et cette action politique, cette volonté politique derrière, ce sera compliqué de systématiser ces enseignements et donc que tous les étudiants puissent effectivement être formés et pas seulement un établissement ou une formation par-ci par-là. Ensuite, concernant le REFED plus particulièrement, notre prochaine grande étape, notre grand projet du moment, c'est celui de notre consultation nationale étudiante. C'est un projet qu'on a au sein du REFED d'interroger les étudiants sur les enjeux de société et les enjeux environnementaux plus en particulier, qu'on fait tous les 3 ans, dont la dernière a été réalisée fin 2019, dont on va restituer les résultats fin décembre. On a axé cette année autour de 5 thèmes qui sont la société, le campus, la consommation, la formation et l'insertion professionnelle, avec une 50aine de questions sur les habitudes de consommation, d'alimentation, sur le sentiment vis-à-vis du changement climatique, est-ce que les étudiants sont inquiets, est-ce qu'ils sont angoissés et quel pourcentage, également sur le rôle du politique ou sur le rôle des entreprises. Et cette année, on a eu une participation record de 50 000 étudiants, ce qui est historique pour le REFED. Donc à partir de ça, on a produit une synthèse et un rapport qui vont être dévoilés le 30 septembre à 18h30 avec un grand événement de restitution auquel je vous invite tous et toutes pour donc avoir l'avis des 50 000 étudiants qu'on a interrogés sur les enjeux environnementaux et aussi sur les enjeux de société de manière un peu plus globale. Cédric Riegenbach, j'aurais voulu vous entendre peut-être avec quelques mots de conclusion sur les perspectives de déploiement pour une organisation telle que la Fresque et puis votre regard sur ces transformations qu'on a analysées à la fois dans l'enseignement supérieur au niveau universitaire et grandes écoles. Oui, merci, merci beaucoup Aurélien. Moi, j'ai envie de témoigner. Je vais donner trois éléments sur le programme de la Fresque pour les mois et les années à venir. La Fresque, ça sert à sensibiliser les gens qui jouent, mais ça sert également à former les animateurs. Et donc, on a eu l'occasion, par exemple, de former des centaines d'enseignants qui ont participé ensuite à la rentrée climat, qui ont été eux-mêmes des animateurs. Et le fait d'animer et d'être obligé un petit peu de se retrouver dans la situation de la personne qui enseigne, ça force à se former. Et en fait, un de nos autres objectifs, c'est surtout de faire monter en compétence l'ensemble des animateurs. Et après, je voulais aussi témoigner de ce qui se passe quand on fait la fresque et de ce qui peut se passer, par exemple, dans les entreprises. On a l'impression que les entreprises, c'est des espèces de gros blocs monolithiques qui ont un caractère, qui sont assez inhumains d'ailleurs, qui ont tendance à broyer les personnes qui travaillent chez elles. Et en fait, une entreprise, c'est rien de plus qu'un ensemble d'humains qui travaillent ensemble. Et quand on fait une fresque du climat chez eux, moi je le fais assez régulièrement dans des boîtes, on se rend compte en fait que les gens réagissent en tant qu'individus, en tant que citoyens. On n'a pas l'impression de s'adresser à une entreprise. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort et réconfortant de me dire qu'une boîte, ce n'est rien de plus qu'un ensemble d'humains qui se sont réunis autour d'un projet. Et chacun de ces humains, on peut s'adresser à lui en tant que citoyen et on peut s'adresser à sa conscience. Et ça donne quand même beaucoup d'espoir parce que derrière, quand les gens ont massivement été convaincus qu'on est en train d'aller dans la mauvaise direction et qu'il va falloir corriger le tir, ben on peut commencer à faire des choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire aujourd'hui. On est en train de vivre une très grande accélération dans la prise de conscience et ça, moi, personnellement, en tout cas, ça me donne beaucoup d'espoir.
C'est sur cette note d'espoir que nous allons conclure cette table ronde et cette journée. Donc bravo à tous les internautes qui auront suivi les 12 heures de débat qui se sont enchaînées. Je doute qu'il y en ait beaucoup qui aient suivi les 12 heures, mais il y a eu des thèmes passionnants aujourd'hui. Et rendez-vous demain pour la suite des 24 heures climat qui débuteront à partir de 8 heures. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir.